Et oui, mais tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour Laurie Xar, on dit, ou Xard. Oui, c'est ça, Xar. Merci beaucoup d'être notre invité coup de cœur aujourd'hui. Vous préparez la sortie de votre album produit par Colin Russell. Votre dernier titre s'intitule « J'ai dansé avec les ombres ». On va le découvrir et on revient ensemble sur Radio J. J'ai dansé avec les ombres, les ombres effleurées du bout des doigts. Les formes de l'eau transformaient le ciel aux portes de l'enfer. J'ai dansé avec les ombres, les ombres, les ombres. Avec ce titre, J'ai dansé avec les ombres, sorti le 8 décembre dernier, qui portera d'ailleurs le nom de votre opus que vous préparez depuis 2 ans. Voilà. Je crois savoir. De quoi vous allez parler dans cet album-là? Qu'allez-vous nous chanter? Je vais parler de plein de choses un peu différentes. Il y a des chansons plus ou moins. Il y a des chansons autobiographiques et puis des chansons aussi biographiques d'autres personnes dont je m'inspire. Voilà, je vais parler surtout de, on va dire, de comportement humain, de relations humaines, voilà, des sujets de la vie un petit peu de tous les jours, quoi. Alors, de quoi est-il question principalement dans ce titre que l'on vient d'écouter? En fait, le titre qu'on vient d'écouter, ça parle de conflits intérieurs. Dualité en nous, en chacun. Voilà, de nous. De dualité, de cet autre. De ces autres, de ces adversaires un peu redoutables qu'on peut avoir
nos adversaires intérieurs, en fait. Des jugements qu'on porte sur nous-mêmes, des attentes de la société. Oui, des jugements, des attentes, et puis aussi des choses qu'on ne comprend pas très bien, je pense, à certains moments de nos vies. Et puis du coup, c'est une recherche, en fait, d'harmonie. Cette chanson, c'est danser avec les ondes, c'est un peu danser avec, voilà, toutes ces personnalités qui font ce qu'on est, et essayer de trouver une harmonie en nous. Voilà. Vous évoquez aussi la déception, le dérapage, la perte de soi et aussi la reconquête. L'écho de cet album en préparation qui devrait sortir dans quelques semaines, quelques mois, en tout cas composé de 10 titres, oui. Quelques mois on va dire ça, va se propager avec la publication d'un recueil édité chez Les Heures. Racontez-nous ce qu'il y aura dans ce recueil-là. Alors dans ce recueil, il y aura les textes des chansons qui composeront l'album, et il y aura aussi d'autres textes. En tout, il y a une cinquantaine de textes qui sont en fait des textes que j'ai écrits pendant la préparation de l'album et qui auraient pu aussi devenir des chansons, mais qui finalement sont restées un peu sur le papier. Sont restées des poèmes, parce que vous partez de la base d'un poème que vous transformez en chanson, si j'ai bien compris. Oui, en fait, j'écris des poèmes, voilà, et après je les mets en musique. En musique. Laurie, vous avez grandi près de Paris, vous avez commencé à écrire à partir de 16 ans, vous étiez au départ à la guitare totalement autodidacte, et puis juste avant de vous lancer en solo en tant que Laurie Xar, il y a eu un autre projet dont j'aimerais que vous nous parliez également. Oui, en fait il y a eu mon projet Belle Ombre, donc c'était un projet de musique électronique. Je me suis plongée un petit peu dans les synthétiseurs, les boîtes à rythme, les claviers. Je suis aussi ingénieure du son de formation, donc je me suis beaucoup amusée à produire moi-même mes disques. Et donc voilà, faire de la musique vraiment. Alors c'est moins organique que ce que je fais maintenant, mais oui, il y a une évolution de style, de genre. Mais en tout cas, ce projet solo qui s'appelait également Belle Ombre, mais qui ne portait pas votre nom, vous avez fait de très très belles scènes. Oui, avec ce projet-là, vous étiez notamment au pop-up du label, vous étiez à l'Alimentation Générale, la Favela Chic, la Lambra, enfin de très très jolies scènes. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se préparent? En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite pour ce nouveau projet. Alors oui, tout à fait. J'en ai déjà fait une au Supersonic à Paris, et puis là prochainement, au pop-up du label probablement dans les mois qui suivent. Et j'ai également des dates de prévues en Normandie, en Bretagne. Voilà. On va écouter le premier single de cet album juste avant celui qu'on vient d'écouter, qui s'intitule La vie des gens. On a tourné la page depuis un moment, mais tu vois, ça fait
La vie des gens, ce titre-là, premier single de votre album J'ai dansé avec les ombres, album à venir, Laurie Xar. Je regarde en plus votre bio qui indique que vous avez travaillé avec d'autres artistes, notamment Nash, que nous avons reçu sur cette antenne. Et donc, je me dis que s'il y a une première partie, ça peut être une bonne idée éventuellement de lui dire je suis présente et potentiellement à travailler dans ce sens-là. Ce que je voulais également vous demander, c'est qu'il va y avoir donc plusieurs scènes. Comment on fait pour vous retrouver sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on vient vous voir et voir votre clip notamment? Oui, eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est LX Music. Voilà. Comment ça s'écrit? LX. L tiré du bas ou tout accroché? Alors LX tout attaché tiré du bas musique en français. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y a un coup de pouce à passer? Eh ben, plein de concerts. Plein de concerts, c'est ce qu'on vous, on vous souhaite. LX tiré du bas musique QE, ça s'écrit en français et pas en anglais. Voilà, c'est important de le préciser. Donc cet album à venir, on vous suit de très très près sur les réseaux sociaux. Et puis j'indique également qu'il y a un clip qui va sortir, qui est sorti. C'est oui. Le premier que vous avez. J'ai dansé avec les ombres. Merci beaucoup d'être venu nous voir en coup de cœur, Laurie. Et belle suite. À très vite sur l'antenne de Radio J.